Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Aujourd'hui, il y aura du vent. Nous sommes le jour 5 sur 14 du printemps. Il fera quand même frais et ensoleillé. Nous sommes jeudi. La nuit ne fait que commencer. Et notre petite Hélène ne va pas accoucher tout de suite. Mais dans quasiment 24 heures, Sims, bien sûr, nous aurons un nouveau noobou à la maison. Les paris ont été ouverts. Vous avez... En majorité, voulu un garçon, hein, mais ça, j'avais bien compris que vous vouliez un garçon, et bien on verra bien ce qu'il adviendra, ce que le jeu nous réservera. Mais regardez qui s'enjaille dans la salle à manger! C'est Florent! Bon, pour moi, il a encore pris du poids, hein. Vraiment, je te dis, il doit avoir des bons barbecues, des bonnes franquettes dans l'au-delà, parce qu'ils grossissent tous, hein. Ah bah voilà, elle se moque de lui. C'est sympa, Simone, c'est sympa. Toi aussi, on peut dire que t'as grossi un petit peu, hein, mais bon, ça va. Moins que certains. Oh là là, elle se moque de lui, saleté. Et la petite Laura est passée par la case relooking avec des jolis kiki qu'elle a maintenant dans les cheveux et puis une petite tenue très mignonne. Sa sœur aussi, Esther, est passée par la case relooking, mais ça, vous le verrez après, du coup. En tout cas, là, la petite choupette, elle a faim, donc bah, elle mange en pleine nuit, c'est logique. Ah, ça y est, il est l'heure du boulot pour Lionel. On va l'envoyer directement. Va faire ton petit pipi, va manger tout ça. Vous ne rêvez pas. Lionel a un peu changé de look. Ah, bon, j'avoue, je préférais la beubarde d'avant, hein, mais la coupe de cheveux lui va très très bien. C'est parce qu'il y a moins de barbe, mais sinon, c'est le même. C'est le même Liolio, hein. Voilà. Et voilà la bichette Esther qui a été relookée. Oh, mon jeu a de nouveau des ralentissements. Ça va pas me plaire, cette histoire. Regardez-moi ça. De plus près. Une jolie demoiselle avec une belle chevelure blonde que vous n'aimez pas beaucoup, hein. Mais regardez. Elle va être mimine, mais elle va beaucoup plus ressembler à son père que Eva. Je pense que c'est ça. Oh là là, ma Hélène, ce bidou de la mort que tu as. Ah, ma biche. Tu iras pas bosser en tout cas hein, aujourd'hui, faudra pas non plus. Je sais pas si elle est censée taffer. Non, elle travaille pas. Eh ben tant mieux, comme ça tu pourras te reposer et être prête pour l'arrivée de ton petit noobou. Allez, Esther s'en va pour son premier jour d'école. Tu vas faire des amis comme d'habitude. Et Eva, elle va y arriver aussi. Elle a déjà l'habitude puisqu'elle a déjà été à l'école. Bon, ses sourcils ont sauté, hein, c'est pas grave. Et voilà, on est débarrassé de deux gamins sur trois. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, là-bas? Tu vas pas réveiller Daichi? Mais Laura, mais ça va pas dans ta tête. Bah, et peut-être, mais non, tu viens là et tu vas demander à maman... voilà, tu vas demander à maman pour aller sur le pot. Hein, ma biche? Là, ça va plus du tout, coquine. Le petit tour au jardin et aux abeilles, ça va devenir journalier maintenant qu'on est le printemps. Elle s'est occupée de la petite. Voilà, bah oui, hein. Ah bah oui, hein, ma bête. Bah oui. Tu vas forcément te faire attaquer. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave pour nous parce que nous on regarde. C'est plus grave quand tu es toi-même attaqué, mais bon. Oh, ce bidou, c'est pas possible. Oh, ma biche. La pauvre. Et voilà. Ça pollinise à fond. Et tu vas commencer à tout vendre, ma belle. On va faire évoluer ce qu'on peut évoluer. Bon, c'est sûr qu'on gagne moins d'argent qu'avec... Qu'à l'époque... Ah, bah, elle est là. Qu'à l'époque de... Arrête de gueuler, tu m'énerves. Qu'à l'époque de Gigi. Je vais y arriver, hein, finir ma phrase, hein, c'est pas possible. Perturbée que je suis par tous ces cris dans bambin. Faire évoluer, voilà. Wow. Ça va. On est bien. Rosier Buisson, excellent. Attendez, il y a un truc là encore à faire évoluer. Je ne sais pas où c'est. C'est là. Voilà. Ben voilà. Est-ce que tu peux faire quelques recherches? Tiens, ça t'améliorera un peu ta compétence jardinage. Ce sera pas plus mal pour gagner plus de sous, hein. Après, je sais, on est déjà bien. Et ça, c'est essentiellement les plantes qu'on a vues l'année dernière, hein, dans les Sims. Ça équivaut à quasiment une génération avec les plantes, quoi.
Et Lionel, le BG est revenu sans promotion, 272 simflouzes de plus à la maison. Mais c'est bien, tu vas faire tout de suite un truc, mon petit, c'est que tu vas marcher au pas. Voilà, comme ça au moins ce sera fait et tu seras tranquille. Je sais pas, tu bosses demain? Oui. Bon, bah voilà. Magnifique. Tu es superbe, Lionel. Tout est beau. Tout est sexy. Oh oui. Avec la petite mèche qui bouge. C'est trop cool. Dis donc, Hélène, t'as envie de t'enjailler sur le dance floor? Ou pas trop, ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Non, tu vas pas nettoyer, ma cocotte. Danse. Dis-toi qu'on est jeudi, là, actuellement. Et bien, ce week-end, c'est sorti en boîte, hein. Donc, voilà. Hein, les années 80, c'est ça. Donc, bah. Et les garçons, les filles, les filles, les garçons, il n'y en a pas. Les filles sont rentrées de l'école. Voilà, tout le monde est rentré à la maison. Eh ben, c'est bien, tu peux faire ta life. Bah, vous allez super bien toutes les deux. Vous allez parler un petit peu. Ah, et puis, vous allez vous éclater. Et puis après, vous ferez vos devoirs, les bichettes. Elles sont trop kiki, ces petites. Ouais, trop mignonnes. Voilà, elles vont jouer au lama, les filles. Elle va avoir un regard tellement de dingue, Eva. Vu que, enfin, les deux ont les yeux, la même forme de yeux que leur père. Et ça va être quelque chose, je pense, hein, quand elles seront ados. Ça peut être magnifique comme pas terrible. Mais Eva, elle a le nez de sa mère, ça c'est sûr, et elle va plus ressembler à son père. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ah, je vois qu'il y a Geneviève là-bas. J'ai complètement oublié mon petit Lionel qui continue à faire sa marche là. Oh bichon, vas-y rentre à la maison là. En plus il est éreinté, le pauvre coucou. Je vais te faire prendre un bon petit bain de mousse, va, pour me faire pardonner. Bon, je vous avoue, j'ai oublié de relooker Geneviève. Il va falloir que je le fasse parce que sinon, elle va vraiment être en dehors des clous hein, pour la décennie. La saison hippie est terminée quoi. Allez mon petit Lio, pourquoi ton écran est noir? Voilà, là tu vas jouer. Là tu es RP, là t'es complètement dans... Hein? Voilà, il est vraiment dans la décennie. Il n'y a pas plus à fond. Voilà. Stranger Things, à fond. Pendant que Bichette Hélène fait sa petite sieste. En même temps c'est normal, après elle va mettre bas. Donc bon, il faut qu'elle se repose et qu'elle garde ses forces. Parce que c'est pas facile tout ça. Ben voilà, tu vas aider Esther à faire ses devoirs, ça va être bien. Et tant que j'y pense, ce que t'avais pas fait encore, c'est que tu vas l'adopter en tant qu'enfant à charge. Bon, ça change pas grand-chose. Mais oui, voilà, c'est Esther, il va lui donner toutes les clés pour réussir dans la vie. Bon, Daichi, tu sais que j'ai payé la moitié, enfin même quasiment la totalité des trucs que t'as pas réparés parce que les fantômes, ils me cassent ça toutes les nuits. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Mais au bout d'un moment, là, il va falloir reprendre du poids de la bête et bosser, hein. C'est-à-dire réparer, faire la bouffe, parce que là, c'est n'importe quoi. Donc tu... Voilà, on va te demander de faire à manger. Et en plus, il me casse la vaisselle. Non mais vraiment, c'est pas possible. C'est une cata. Bon, il va faire à manger. Ok, tant mieux. On va y arriver. C'est trop mignon, Lionel qui discute avec les girls. Et puis comme ça, il se rapproche d'elle et tout, c'est trop cute. Il raconte des blagues et elle rigole, donc voilà, c'est très bien. Tiens, l'Hélène est élevée. Va pas mettre le feu, ma belle. Et la petite Laura, on va la réveiller et puis on va la faire aller de nouveau au popo. Parce que sinon, elle n'y arrivera jamais. Tu vas pouvoir aller lui apprendre le pot, ma petite l'Hélène. Parce que Esther, on a bien été nuls là-dessus, donc là on va le faire, on va réussir. Bon, l'heure fatidique approche, l'Hélène. Après, tu vas manger, tu vas aux toilettes, et puis on attendra l'arrivée de Nubu numéro 4. Alors, les amoureux, ça roucoule, ça roucoule. En parlant de roux, tout le monde veut un petit roux maintenant, hein, donc il va falloir bosser, les enfants. Enfin, bosser. On espère que là-dedans, il y a les bons gènes, hein, parce que ça commence à s'impatienter. Allez, Malélène, dernière ligne droite. Oh non, pendant que Daichi est dans son bain, bah bien sûr, bah comme d'habitude en fait, hein. Vous commencez à être habitué.
Allez, on va se retrouver bientôt pour la naissance. Cette fois-ci, j'oublierai pas d'aller à l'hôpital parce que j'avais oublié encore une fois. Eh oui! Ça y est, ça y est, ça y est, le travail a commencé! On doit y aller, ça y est, ma petite Hélène va accoucher. Pour l'instant, elle se pisse pas dessus. Tu peux aller petite, vite aux toilettes. Tu vas te lever, Lionel. Ça va être la panique dans ton corps, mais t'inquiète. Hein? L'Hélène, elle est pas à son coup d'essai. J'aime trop quand ils font ça. C'est trop mignon. Et on va emmener la belle à l'hosto. Bah non, je pense qu'il faut cliquer sur elle, tout simplement. Laisse-moi cliquer sur toi, peut-être. Et on va avoir un bébé à l'hôpital, rejoindre. Et on sélectionne. Il est bien habillé, le petit Samuel, hein. On va sélectionner le petit Lionel. Et on est parti pour la naissance. Waouh! Et en plus de ça, il nous a mis une putain de tenue que j'adore. Elle est trop classe. Regardez-moi cette beauté. Oh! Lionel, tu vas aller. Oh, bah, il n'y a personne. Super. Ici, ouais, allez, ici ensemble. Bah, il n'y a personne, hein, donc tu vas venir ici, et ma belle. Mais bon, il n'y a personne pour nous accueillir, donc à moins que ce soit ici. Bah, je sais pas. Ah ben non, c'est à lui peut-être. Présentation polie. Ouais. Je sais pas moi qui c'est qui. Ok, c'est lui. Okay. Ah bah c'est sans changer, voilà, c'est bien. Se présenter au bureau d'accueil. Voilà. Excusez-moi. On doit accoucher. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux l'embrasser, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chou. Chouchoubi! Ah bon, mais Chouchoubi, c'est pas au Nouvel An, Chouchoubi? Il regarde son téléphone. Non mais mec, soit avec ta fille, avec ta femme, je veux dire. Oh là là. Comment il court comme un débile? Ah, il m'éclate. Bon, en espérant qu'on nous casse pas notre Hélène comme la dernière fois qu'on est venu, hein. Mais attendez, il y a personne qui manipule la machine. Mais vous me faites peur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non non, moi ça me rassure pas tout ça. Et t'es chirurgienne? Oui, la dernière fois qu'on a eu ça, on a failli nous casser notre Hélène, hein, quand même. Je dis chaud, je dis rien, moi. Oh là là, ça y est. La naissance, alors ça y est, vous l'attendez, hein, vous l'attendez. Ah bah, il est... Bah, encore une fois, ça déconne, hein! Regardez-moi ça, l'huile de moteur! Oh! Ils lui ont enlevé son cœur à mal Hélène. Mais il se démalade. Alors? Suis désolée, c'est encore une fille. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Vous vouliez tellement une chose que ça se produit pas. Et ben voilà, je vous l'avais dit, le jeu vous troll. Moi, à la limite, moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Je m'en fiche, quatre filles, c'est top parce que ça veut dire, bah voilà. Il y aura tellement de choix pour l'héritière, ça va être dingue. Puis voilà, c'est comme ça, c'est une génération entièrement de filles. Il n'y aura pas de cinquième enfant. Déjà, j'ai voulu en faire trois et j'ai été en faire quatre. Donc non, non, voilà, ce sera 100% girls et 100% blondes peut-être aussi. Ça, on verra. Et comme prénom, eh ben, j'ai trouvé un prénom qui est bien pour les années 80. C'est Anaïs. Attendez, je l'ai mal écrit. Voilà, Anaïs de Saint-Paul. Et elle est toute seule! Le médecin a préparé un certificat de naissance. C'est cool! Mais pourquoi tu sors? Regarde, viens voir ta fille! Peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera rousse, hein, mais parce que c'est toujours pas un garçon, mais il n'y aura pas de garçon. Oh, Hélène, qu'est-ce que tu es belle! Oh, tu es belle! Comme une hirondelle! Oh, c'est trop cute! Vous êtes trop mignon! Oh là là! Puis il est content, regardez quand même. Bon, il est tendu, mais il est content. Voilà. Il a eu un bébé, il n'est pas content. Mais en fait, il est content quand même. Allez, on rentre à la maison. Et on est retourné à la maison. Laura n'est pas contente. Oula! Oh, les textures, elles sont pas belles, les textures. Piquer une crise. Ah oui. Hé, je veux pas de petite sœur! Eh bah, tant pis. T'en as une quand même. Et les filles. Bon, les filles. Non mais voilà, elles ont été pimpées là, on part à l'hosto, ça y est quoi. Bon ben tu vas faire ta life. Oh mais regardez qui c'est qui se bat toute nuit dans la maison, c'est Mamie Jo.
Mamie Jo, elle est formidable. Ok, bah écoute, ils font leur live, il est 6h du matin. Bah c'est bien, elles vont aller en cours après. Non, par contre, toi, j'ai vraiment une très très belle erreur de texture en revenant à la maison. Tu vas faire une petite sieste qui va bien. Toi, t'es en pleine forme. L'Hélène. L'Hélène. Ah bah l'Hélène, elle est en train de manger, tout va bien. Yum, c'est bon. T'iras ensuite faire un petit pipi, toi. Tu vas faire un pipi, tu vas aller te coucher, mon grand. Parce que voilà, tu es de nouveau papa et heureux de l'être. Ou pas, oui, j'ai regardé nouveau bébé, il est content. Anaïs commence très bien sa vie puisque on me signale qu'elle a très faim et qu'elle pourrait être enlevée par les services sociaux alors qu'elle ne n'était même pas réveillée, qu'elle ne criait pas, regardez. Ah, ça y est, elle vient seulement de se réveiller, elle s'est rendue compte qu'elle a un mamelon dans la bouche, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Puis voilà. Oh! Oups! Au taf! Au taf, mon petit! J'ai oublié que tu devais les taffer! Oh bah zut! Ou non, enfin oui, non, mais tu vas les taffer. Hein, c'est pas grave, t'as eu un enfant, ça se comprend. Alors, les girls, ouais, comme vous m'avez dans les commentaires, je vais pouvoir faire les Spice Girls avec les quatre filles que j'ai. Exactement. Je crois que les Spice Girls, elles étaient cinq, mais bon. Dans l'idée, j'aime beaucoup l'idée, quoi. Allez, hein, c'est vrai qu'on espère que si tu sois rousse quand même, toi, pour que rendre honneur à ton père. Oh, mais dis Anaïs, tu commences pas quand même là? Parce que quand un enfant, un bébé pleure aussi vite, c'est qu'en général, il va être blond, hein. Ah, le troll de magique, si franchement elle est blonde, le jeu vraiment se fout de notre gueule. Moi j'aurais dit que ça. Oh la saleté! Oh la saleté! Oh, on va pas laisser passer comme ça. On va pas laisser comme ça. Non mais dis, discipliné, sévère, hurler dessus pour avoir cassé la maison de poupée. Alors Laura, tu fais que des conneries. Voilà, niveau 8, tu peux réparer ça ma biche du coup. Hein, Moutipiti si tu veux, oui. Niveau 8 de l'éducation quand même, l'Hélène, hein, bah ça. Mais bon, 4 filles quand même, hein. Voilà. Hey, t'es trop kiki. Elle dansait bien, la petite Laura. Coquine. Ben ça, c'est bizarre. Pourquoi les plantes, elles ont pas poussé aujourd'hui? C'est un mystère. Oula. Ah oui. Ouais, c'est trop bizarre. Moi, je comprends pas. On n'est pas encore passé par le jardin, mais il y a déjà plus rien. Okay. C'est très, très, très bizarre, cette histoire. Tu vas récolter le miel, ma cocotte. Hein, comme ça. Voilà. Elles sont encore agacées, ces abeilles. Mais elles sont jamais contentes. Elles sont chiantes aussi, un peu, quand même, sur les bords. Hein. Et voilà, Anaïs est encore sale. Oui, on arrive, biche. Maman arrive. Ce papa est là, mais voilà, il est fatigué, donc il est en train de dormir. Voilà. Au moins tu te tais. Et les petites sont rentrées aussi de l'école. Et on est vendredi, donc c'est cool. Elles n'ont pas besoin de bosser tout de suite. Oh, toi, t'es fatiguée, ma bichette. Tu vas tout de suite dans ta chambre te faire une petite sieste. Ce serait dommage, hein, de gâcher ton vendredi soir comme ça. Mais bon, allez, va faire ta petite sieste, comme ton beau-père qui fait un gros dodo sur le canapé. Bon, Anaïs, ça va pas le faire là. Tu nous casses pas déjà les pieds, s'il te plaît. T'as réveillé ta sœur qu'on venait juste de mettre au lit. Voilà, la bibiche, elle va pas être contente. Aide pour le pot. Bon, ouais, bah, si papa il se réveille après sa sieste. Ah, bah, ça y est. Bah, écoute, super, tu vas pouvoir lui demander d'aller pour le pot. Hop! Papa, tu peux m'aider à aller au pot, s'il te plaît? Et l'Hélène, elle revient aussi pour s'occuper de la petite dernière. Parce que là, les hurlements, hein, ça souffle. Bon, l'Hélène, tu vas aller au boulot. Tu vas aller kicker des as, comme on dit, voilà. Hein. Et puis, bah, c'est à Lionel de gérer maintenant tous les monstres. Ah, ouais. Ces deux filles, surtout, non mais dis. Oh, c'est tout mignon. Vous voyez qui s'occupe de sa fifille. Ouh là là, ça faisait longtemps, ça. La chance d'une vie. Le passage sur scène d'Hélène est bientôt terminé et elle voit l'artiste suivant attendre en coulisses. Alors qu'elle est sur le point de poser son micro, elle remarque un homme en costume qui s'assoit au fond de la salle, loin du reste du public. Au lieu de commander à boire, il sort un carnet et semble vouloir prendre des notes. Pourrait-il s'agir d'un agent à la recherche d'humoristes prometteurs?
ou bien de Gad Elmaleh qui pompe les idées sur les autres, on ne sait pas. Hélène n'a que quelques secondes pour choisir entre faire preuve d'égoïsme en faisant un rappel ou céder le micro à l'artiste suivant. Que va faire Hélène? Faire un rappel. Hélène montrera sa notoriété et obtiendra une promotion. Oh! Céder la place sur scène, il n'y a aucun changement dans la vie d'Hélène. Eh bien, on va faire un rappel, puisque si moi je joue. Voilà. Et alors? Ouais! Youpi! On peut choisir entre humoriste et musicienne. Alors, à la base, j'aurais voulu la faire humoriste. Musicienne, c'est les mêmes heures, c'est les mêmes délires. Est-ce qu'on ferait partirait pas sur musicienne? Non, on va faire humoriste. Allez, on va rester là-dessus. Et elle est devenue une vedette débutante. Tenter sa chance. Revigorée, Hélène a continué son spectacle. Le public a adoré ses sketchs et a largement montré son enthousiasme. Il était tout simplement conquis. Euphorique, Hélène s'est révélée et a fait la meilleure performance de toute sa vie. En retournant dans les loges, elle avait presque oublié l'homme en costume, mais quelqu'un toquant à sa porte l'a ramenée à la réalité. C'était l'homme en costume qui était bien un agent à la recherche de talent. D'un rapide mouvement de main, il lui a donné sa carte de visite et une chance de vraiment percer dans le milieu. Mais c'est bien, et la voilà artisane du rire. Elle gagne désormais 13 simflouz de plus par heure, soit 67 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu en bonus 937 simflouz, l'œuvre pop art, la loutre qui veut être une star, et tester des blagues en public. Eh ben c'est cool ma belle. Et tu es où là? Tu es pas rentrée, mais elle est là. Va suivre, elle est rentrée, je pense. Ok, très bien. Elle a été promue tout de suite, mais elle ne rentre pas tout de suite. Mais elle a mis sa superbe veste, enfin sa truc de d'hôpital. On est d'accord que c'est complètement raccord. Ok, papa est là. Il va s'occuper de toi, Anaïs. Ne t'inquiète pas, il est là, il va s'occuper de toi. Voilà. Ton cul va être propre, ton cul va être propre. Tu vas lui parler un petit peu et tu retourneras faire ta sieste dans le salon en attendant qu'Hélène rentre du boulot. Voilà, elle est trop kiki, la petite, elle est mignonne. Et voilà, l'Hélène est bien rentrée. Tu es fatiguée, moi jolie. Oh oui, t'es fatiguée. Oui, non, Geneviève, arrête. Tu vas pas voir la petite, tu vas te prendre une petite douche tout de suite. On va envoyer Daichi se coucher. Hein? Oh mon Dieu, il a fait un peu à manger aujourd'hui, t'imagines pas comme c'est compliqué. Toi, tu finis de manger, s'il te plaît, là, au lieu de criser, là. Là, tu vas nous tomber dans les pattes, là. C'est pas possible, hein. Allez, après, t'iras dormir. Et puis, bah, l'Hélène, dès que t'es lavée, Lionel va venir te voir, quoi. Hein? Ah bah d'ailleurs, il va venir tout de suite faire son petit toilette. Alors les amoureux, je vous informe que maintenant que le crac-crac est disponible, vous allez vous en donner à cœur joie. Donc un petit crac-crac pour finir cette journée, hein. Ce sera bien. Et puis en plus, pas besoin de refaire un gosse, donc c'est magique. Allez, zou, les amoureux vont s'éclater. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, dors aussi, hein. Faudrait pas non plus que tu sois réveillé toute la nuit. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous ne soyez pas trop déçus, que ce soit encore une fille qui a popé. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que je sais que vous allez pas être contents. Et moi, je suis contente. Voilà, quatre filles, quatre possibilités d'héritières. De toute façon, c'est toujours les filles qui sont en héritière, donc voilà. Je vous fais des très très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, à vous abonner, à regarder une petite pub sur YouTube et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Très très gros bisous, à très bientôt pour la suite du Decade Challenge. Ciao! Wouh!